سيد الرئيس مسيو لو مينيستر هيا هو الحضور الكريم انا جد سعيده وكنحييكم على هذا اللقاء التاريخي كما ذكروا السي انيس بيرو قبل وبغيت نحيي كذلك القياده ديال حزب التجمع على راسها السيد الرئيس عزيز اخنوش اللي عطانا هذه الفرصه باش نتلاقاو معكم نتوما الجاليه المغربيه في الدول الافريقيه في مدينه افيديان في هذا البلد الصديق اللي هو لا كوت ديفوار. Rapidement, ce que je voulais aussi, c'est qu'on fasse une petite pause pour se rappeler ce que notre pays, notre cher pays, a accompli au cours de ces 20 dernières années. De temps en temps, il faut s'arrêter et voir ce qu'on a fait. Rapidement, en 20 ans, notre PIB a triplé, passé de 39 milliards à 120 milliards de dollars. Mais il a profité à la population, parce que c'est une grande équation qui n'est pas résolue partout dans le monde, puisque le PIB par habitant, lui, passait à 2000 dollars à environ 3400 dollars. Tout ça avec une augmentation de nos exportations et avec des taux d'inflation contenus. Ce n'est pas par hasard que tout ça est arrivé, c'est parce qu'il y a cette vision de Sa Majesté autour d'une stratégie concertée, éclairée à long terme, des gros projets d'infrastructure, des stratégies sectorielles importantes. Tout ça sans relâche, avec énormément de travail. Sur le tourisme, qui est un des secteurs dont j'ai la charge aujourd'hui, et dont je suis fière qu'il soit représenté même dans cette salle. Madame Fatiha, elle seule, représente beaucoup de métiers du tourisme. En tout cas, ce secteur a bénéficié en fait d'une place prioritaire depuis le début des années 2000, puisque notre pays bénéficie d'énormément d'atouts. C'est un très beau pays, riche, pluriel, qui a un patrimoine magnifique, de très belles plages, des montagnes, des paysages très beaux, et surtout un peuple accueillant, ouvert sur le monde, et qui est très bienveillant. De telle sorte à ce que cette stratégie nous permet aujourd'hui d'assurer à peu près 7% du PIB du Maroc, environ 550 000 emplois, et environ 90 milliards de dirhams de recettes en devises. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que ce chemin a été parcouru. Alors il y a les sceptiques pour dire on n'en a pas fait assez, on n'a pas réussi, on s'est trompé, ceux-là on ne les écoute pas. Ce qui compte, c'est que notre ambition est intacte. Oui, nous sommes un pays pour le tourisme, pour toujours et à jamais, et ce qui reste à faire est probablement encore dur, parce qu'entre-temps, il y a des concurrents qui nous ont regardés, qui nous ont observés, qui sont venus sur nos terrains. Parce qu'entre-temps, le modèle a changé, le métier a changé. Il y a toute cette stratégie digitale qu'il va falloir confronter, à laquelle il faut savoir adapter. Mais je suis optimiste, je suis honorée d'avoir en fait la responsabilité de ce secteur, parce que j'ai confiance en tous les types de ressources dont peut bénéficier notre pays, et la plus importante est la ressource humaine. Puisque la chaîne de valeur du tourisme est complexe, donc Moulkouchi, il est très important pour le touriste à Marrakech, et lui aussi, il sait les accueillir. Et puis, vous avez toutes ces start-up extraordinaires qui sont en train de travailler sur de l'intelligence artificielle pour essayer de craquer ce que fait Booking, et que nous aussi, on puisse attirer des touristes au Maroc. Donc, je suis optimiste. Ce que je veux vous dire, c'est que nous allons nous atteler à travailler. Parce que ce qui m'anime, et ce auquel je crois, c'est d'abord l'ambition. Je pense qu'un peuple, une personne, une entreprise, tout le monde a le devoir d'être ambitieux et d'avoir foi en l'avenir. Nous avons la chance dans le royaume du Maroc d'avoir la vision éclairée de Sa Majesté. Et dans ce parti, nous avons aussi la foi en l'ambition à moyen, court et long terme, et c'est important. La deuxième chose à laquelle je crois, c'est le travail bien fait. Alors, il y a deux catégories de personnes. Nous, ici, qui avons la chance d'avoir un travail. Alors, à cela, je dis, il faut qu'on continue à travailler dur, qu'on encourage les talents et qu'on les écoute. Et puis, il y a tous ceux qui en rêvent. Et ça, je pense que c'est notre première priorité. C'est d'offrir plus de chances de travail à tous ceux qui en ont besoin. Et enfin, je crois beaucoup à l'intelligence collective. Et quel bel exemple que celui d'aujourd'hui pour dire que les intelligences sont partout, elles sont différentes, et que nous ne réussirons que si on arrive à les faire toutes travailler et converger ensemble, dans le secteur public, dans le secteur privé, à l'intérieur du Maroc ou à l'extérieur du Maroc, toutes vos intelligences et vos bonnes volontés sont les bienvenues. C'est parce que je crois à toutes ces choses-là que je suis ravie d'avoir été accueillie au sein de la famille du RNI,
et je vous appelle tous à faire de même. Je pense qu'ensemble, nous pourrons apporter notre pierre à l'édifice. Et bonne continuation. Merci.